Thème numéro 6, transport de marchandises. Donc là, en général, on a le sourire parce que c'est le thème qu'on préfère. Alors on a les gants, bien sûr. Et on va ouvrir l'arrière. Alors, tac. On ouvre sur le côté. Attention qu'il n'y a pas de colis qui nous tombe dessus. Et puis on regarde bien devant et derrière avant d'ouvrir la porte complètement. S'assurer qu'il n'y a pas de roues et de piétons. Hop. Voilà. Donc on va ouvrir le deuxième côté aussi. Hop. Ne jamais lâcher une porte. Hein. Vous ne lâchez jamais une porte, vous la tenez toujours. On contrôle devant et derrière qu'il n'y ait personne. Et on ouvre. Bien sûr, vous avez les gants. Bien sûr, je ne les mets pas pour les raisons... Pour que avec le téléphone ce soit plus facile. Hop, il y a l'échelle. On ouvre l'échelle. Et on monte en trois points d'appui. Donc on se tient là, on se tient là. Et puis avec le pied, ça fait troisième point d'appui. Hop. Alors, on va commencer par le plancher propre en bon état. Bâche côté droit, tablier, bâche côté gauche et la bâche de toit sont propres en bon état. Et l'ensemble est étanche. La marchandise est composée de 8 blocs dans 7 blocs de béton et de 3 palettes de journaux qui font un poids total de 14,5 tonnes. La marchandise n'est pas très bien répartie, donc on va la refaire. Mais par contre, la marchandise, elle est bien arrimée. Voilà, on redescend. On va faire l'échelle. Hop, il n'y a pas de piéton, pas de vélo. On referme la première porte. Là, on verrouille bien. Pareil, on regarde devant, derrière. Hop, on ouvre. Enfin, on ferme, pardon. Et on regarde en haut. Donc les portes sont bien verrouillées. Fin du thème numéro 6.